Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un tuto d'une maison moderne. Donc on est encore dans la ville d'ailleurs, avec Rémi-Marie qui est juste derrière. Vous aurez besoin de vitres, de portes de chêne noir, planches de chêne noir, béton noir et béton blanc. Et voilà. Donc vous allez faire un mur de planches, de trucs comme ça. Enfin, vous faisiez un mur de 6 de béton blanc. Vous le remplissez. Ne faisait pas attention, il y a mes petits frères derrière. Voilà, ici vous faites comme ça. Vous remplissez de vitres. Ici. Comme ça, voilà. Vous aurez aussi besoin de planches de chêne pour mettre ici. Et là, ici, vous mettez une porte de chêne noir. Vous remplissez ça de vitres, voilà. Et ici, vous faites une baie vitrée qui va environ jusque là. Et voilà. Ici, vous remettez des planches, enfin plutôt du béton. Du coup, vous remplissez tout ça. Le truc de chêne. Après, vous mettez des vitres, donc c'est une belle vitrée. Enfin, une baie vitrée. C'est chiant de remplir de vitres. Et voilà. Ici, au même endroit, vous refaites comme ça. Voici. Déjà là, on va refaire un petit peu de baie vitrée. Faites pas attention parce que mes petits frères ils font les fous. Oui, ils se font un petit peu engueuler. Et voilà. Ici, vous remettez. Sinon, ça fait un rectangle. J'ai pas besoin de vous dire les dimensions qui sont ici. Et voilà. Du coup, ici, vous avez votre maison. Et si vous avez envie, vous pouvez remettre un étage. Moi, c'est ce que je vais faire. Du coup, vous mettez une grande lignée de béton noir. Et voilà. Vous avez votre béton noir. Ici, vous enlevez ça. Vous mettez du béton blanc à la place. Donc du coup, ici, vous allez remplir de chêne. Vous remplissez de chêne, et puis on se... Donc voilà, j'ai rempli de chêne. Ici, vous remettez du béton blanc. Ça donne ça. Ici, vous refaites un cadre comme ça. Voilà. Et puis maintenant, ici, vous mettez aucune fenêtre pour l'instant.
juste une ici. Ici, vous mettez une toute petite fenêtre. Comme ça. Voilà. Vous faites 1, 2, 3. Ici, vous mettez. Non, pas comme ça, moi, je me suis trompée. Ici, là, vous mettez comme ça. Tac, et vous ouvrez. Comme ça. Puis ici, moi, je vais la faire un tout petit peu plus grande pour que ça donne un petit peu plus de style. Voilà. Vous avez ça. Ici, vous mettez une fenêtre. Voilà. Et puis, ici, vous remettez une couche de béton noir. Après, ça n'a été repris de aucun youtubeur. C'est moi qui ai créé ce type de maison. Je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un style. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire des vidéos? Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait des vidéos. Et je suis absolument tout seul sur cette ville. Du coup, ici, vous n'avez plus qu'à tout simplement mettre tout ça en chaîne. Sur la scie, je vais pas faire de... Je vais rien faire. Oups, j'ai cassé la porte. C'est pas super de casser les portes. Et voilà, vous remplissez. Et puis votre maison est finie. Après, si vous avez envie, vous pouvez mettre des escaliers ou une échelle. C'est comme vous voulez. Je trouve que ça va être vraiment une maison moderne. Moi, je vous conseille plus de la mettre comme ça, l'échelle. Enfin, plutôt... Bon, je vais vous montrer. Prenez... Tac, comme ça. Puis, vous faites... votre... escalier. Et puis, voilà. Si vous avez votre escalier. Puis, ici, vous pouvez mettre... Voilà, comme ça. Et ici comme ça, voilà. Du coup ici ça vous fait votre escalier. Si vous pouvez mettre par exemple un canapé ici, la télé. Puis voilà. Donc bah j'ai plus qu'à vous dire au revoir pour cette vidéo. Et puis essayez de profiter de cette maison qui d'ailleurs j'avoue très belle. Et on peut même peut-être mettre ça. Oups. Et voilà, là ça fait encore plus beau. Donc ici, je vous dis ciao pour cette vidéo.